jeune handicapé mec, ça va à l'école à chaque jour. Pratique des sports, par exemple, le hockey, le basketball, le volleyball, le soccer et plein d'autres sports. Aussi connecté sur Facebook comme tout le monde. Pour certains, c'est de se retrouver dans un endroit, parler de nos journées, faire des médaillons, des boucles d'oreilles avec des perles. Parfois, on se rencontre chez un ami pour faire les devoirs ensemble. Il y a plein d'autres activités comme se promener en motoneige, se regrouper dans un endroit, jouer du tambour et chanter des chants traditionnels. Je me dis qu'un mec aime manger de la poutine, des salades, des sandwichs, des craft dinner, des tigreo, mais aussi des mets traditionnels comme la banique, des pains faits maison, la viande de rignal, des pédélis, etc. Poutine à dog, c'est que ça cher. Toi, c'est quoi? Poutine mousse? Poutine mousse meat? Certains, il y a des parents qui s'en vont à l'école, des jeunes parents qui vont à l'école, ici au secondaire, quand ils appellent l'école, ils s'en vont voir leurs enfants, ils s'occupent d'eux, faire des activités. L'amener au parc. Attendez, j'ai un ami. Je crois que c'est pas mal tout. Nous sommes des personnes très accueillantes, surtout curieuses. Et nous aimons rencontrer de nouvelles personnes. Ici, c'est Manuel. Bienvenue chez nous. Et nous vous invitons à venir nous rendre visite. Pays Jacques. Dans quel pays se trouve la ville de Manoan? Oh my god! Je savais que c'était un quiz, j'aurais étudié. J'en ai aucune idée. Si je te dis Atikamekw, ça te fait penser à quoi? Atikamekw, ça me fait penser beaucoup aux Amérindiens. Ça fait quoi un jeune autochtone dans ses temps libres? J'en ai aucune idée. J'imagine que ça fait comme tous les autres jeunes et que ça. Ça se promène en groupe, puis ça discute, puis ça fait pas grand-chose, comme tout le monde. Peut-être du sport aussi, je sais pas. Ça mange quoi, un autochtone? Je sais que typiquement, tu sais, on peut manger du phoque dans les villages autochtones, mais peut-être qu'ils en mangent la plus normale. Ça doit coûter cher, tu sais. Ça fait quoi, un jeune autochtone dans ses temps libres? Ah, ben j'imagine que la même chose que le reste de tous les autres jeunes, là, ça... passe son temps sur Facebook, comme moi. Puis ça fait des devoirs, aider la famille. Sûrement, il y a des problèmes, peut-être des gangs de rue, comme tous les autres jeunes aussi. Je sais que c'est un phénomène chez les jeunes. Mais j'imagine que c'est pas un jeune anormal, là. C'est un jeune comme tous les autres jeunes.